Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Mme Jocelle Cauvier, le sujet de cette semaine à la capsule divertissement, l'érosion des berges. Bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Donc, l'érosion des berges, c'est d'actualité en Gaspésie. On n'a qu'à penser aux tempêtes de l'an dernier, à l'automne, je crois, ou à l'hiver, à l'automne. C'est au mois de décembre, les hautes marées, là. On peut dire même à percer au niveau de la promenade, on y avait goûté pour à peu près, là. C'est un phénomène au Québec, le plus présent en Gaspésie, les îles de la Madeleine, au niveau de la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, donc ça devient un problème vraiment important. Au niveau de la Gaspésie, c'est 67 % des berges qui sont en érosion. Donc, c'est un phénomène qu'il faut penser à plus tard parce que c'est sûr qu'il y a les habitations, il y a le transport parce qu'il y a des routes maintenant qui sont vraiment démolies, qui doivent être déplacées. Les gens vont voir à l'écran des cartes qui montrent les zones sensibles, c'est-à-dire des zones qui sont facilement submersibles, des zones qui peuvent facilement avoir des problèmes d'érosion. Bien, comme vous allez voir, la Gaspésie, on est en plein dedans, surtout notre MRC, notre région, là. On est dans une zone vraiment sensible. Et il va falloir y voir et être sensibilisé à cette situation-là parce que plus que ça va aller, bien, pire que ça va être. Oui, c'est clair. Puis pourquoi ça va être pire? Bien, je vais expliquer grosso modo. C'est que l'érosion, d'abord, les sédiments qu'on trouve sur les plages, par exemple, le sable, le gravier, bien, ça provient des montagnes qui subissent de l'érosion depuis des milliers d'années. Puis avec le temps, avec les glaciers qui se sont déplacés ou avec, par exemple, les précipitations, l'eau de ruissellement, bien, ces sédiments-là ont été transportés jusque vers le littoral par les rivières, les ruisseaux. Donc, ça s'accumule sous forme de plages, sous forme de dunes de sable. Puis, normalement, il y a toujours une espèce d'apport de sable, même si la mer en ramène. Le problème, entre autres, par exemple, les îles de la Madeleine, c'est que la mer amène du sable, mais elle n'amène pas parce qu'il n'y a pas de montagne qui peut donner plus de plages, augmenter les berges. Donc, eux, c'est vraiment un problème là, vraiment très urgent. Ici, on a quand même un apport, ça nous aide un peu. Le problème, c'est que le réchauffement climatique va augmenter le problème d'érosion. Par exemple, c'est qu'en se réchauffant, la mer, l'eau chaude prend plus d'espace que l'eau froide. Donc, le niveau va augmenter. Puis, si le niveau augmente, bien, ça fait davantage de ravages sur les falaises, sur les plages. Par exemple, aussi, si le réchauffement continue à ce rythme-là, bien, les glaciers vont fondre, qui vont faire augmenter encore une fois le niveau de l'eau. On a les hivers ici qui sont de plus en plus doux. On a des phénomènes de redoux. Bien, c'est un peu des phénomènes de gel, dégel, gel, dégel. Puis on connaît ça cette année. Là. Bien, c'est ça ce qu'on vit. On joue dans 0 ou moins 2. On n'a pas eu de vague de froid encore. Puis on a eu un peu de neige vendredi. Là. C'était, ça n'a pas été la tempête du siècle non plus. Là. Bien, c'est ça. Ce qui se passe quand il y a des phénomènes de gel, dégel comme ça, c'est qu'il y a de l'eau qui est toujours comprise dans les roches ou dans l'argile, dans les falaises. Mm-hmm. Puis cette eau-là gèle, ça fait des fissures. Puis lorsque les fissures sont grandes, bien, la roche va se détacher ou il va y avoir des glissements de terrain. Si, par exemple, c'est une falaise d'argile. Mm-hmm. Donc, c'est un peu aussi ce qui se passe, par exemple, le rocher de Percé, qui perd des tonnes de roches par année. C'est qu'il y a de l'eau qui s'infile dans les fissures. Bien, un coup que ça gèle, ça prend l'expansion, bien, ça éclate. Donc ça, c'est un des phénomènes. Il y a les vagues, comme je disais, qui vont faire l'érosion. Il y a le niveau de l'eau. Il y a les tempêtes. Ça, pareil, on a de plus en plus de tempêtes avec les réchauffements. Donc, ça va tout ensemble. Le caplan qui roule, c'est pas trop dur sur... Non, le caplan qui roule, normalement, c'est correct. Ça devrait... OK. Pas avoir peur des autres. Ça fait pas partie de ma liste. Donc, les... Excusez-la. Donc, c'est ça. Les prévisions, c'est que d'ici 2100, on parle que la hausse moyenne du niveau de l'eau, ça serait de 65 à 80 cm. Donc, calculez, là, par exemple, par ici, là, cette hauteur-là, puis il y a des maisons qui vont avoir des problèmes. Là. Et même au niveau des MRC, des municipalités, on fait très attention maintenant où on accepte de délivrer des permis pour la construction, des choses comme ça, de faire attention aux zones inondables, parce qu'on a eu des gens qui ont été obligés d'être resitués, relocalisés. Et puis, non seulement ça coûte cher aux propriétaires qui ont à vivre ces expériences-là, mais aussi aux municipalités qui, parfois, ont à défrayer les frais, étant donné qu'ils ont donné un permis de construction à ces endroits-là. Donc, il y a vraiment une réévaluation
évaluation de l'ensemble des sites là, où on peut se construire. Et on remarque, là, parce que on l'a vu dans les 20 dernières années, là, on n'a qu'à penser, là, justement, le cinéparc René-François, il y a des gens, il était carrément bâti sur le bord de la mer. Oh oui, puis un des problèmes, c'est que tu mentionnais les municipalités, ils font bien leur possible, mais plusieurs municipalités ne sont pas vraiment au courant des risques de certaines zones, parce que souvent, c'est vraiment des études très élaborées qui sont faites pour déterminer. Des fois, c'est une inondation aux 300 ans, aux 400 ans, je vois. T'sais, des fois, de vidomes, ça n'aura jamais été vu, puis là, ça arrive. Là. Donc, une des pistes de solution qui est amenée, c'est que le gouvernement est en train de justement faire un inventaire de toutes les régions de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, pour pouvoir déterminer les zones qui sont très à risque, les zones qu'on doit déménager la route, qu'on doit déménager les habitations. Donc ça, c'est une bonne chose qui a été... Et plus près de nous, à Percé, je peux vous dire que simplement au niveau de la reconstruction de la promenade pour la rendre la plus, disons, résistante à l'érosion et aux hautes marées, ça va être tout un défi. Ah oui, parce que moi, en tout cas, les dernières années, je pense qu'à tous les années, je vais prendre des photos, puis ça va mal. Là. C'est spectaculaire d'aller voir ça dans les grandes marées. De voir jusqu'où les roches ou les algues se rendent. Loin, là, proche des parkings, oui, c'est quelque chose. Ouais. Donc, c'est ça, il y a des choses qu'il va falloir qu'il soit fait parce que le phénomène de réchauffement va de pire en pire. On parle que d'ici 2050, dans le golfe Saint-Laurent, donc notre région, la période que le golfe va être gelé va passer de 65 à 25 jours. Ça amène un gros problème parce que lorsqu'il y a des glaces, bien, c'est une espèce de bouclier qui empêche les vagues de venir frapper la plage et les falaises. Donc, moins ça gèle, plus qu'il y a d'érosion. C'est vraiment tout interrelié ensemble. Là. Puis, il y a un problème, c'est qu'en Gaspésie, les falaises, les plages sont vraiment très différentes. T'sais, si vous avez été dans le nord, c'est vraiment différent de notre région du sud de la Gaspésie. Bien, il y a différents... Les gens vont voir des images des différentes côtes, puis comment elles réagissent. Par exemple, on a les côtes à falaises rocheuses. Ça, par exemple, c'est des falaises de roc, vraiment comme dans le nord, la Gaspésie, qui sont relativement solides aux vagues, mais le problème, c'est quand il y a de l'infiltration d'eau que la roche va se briser. Il y a des falaises rocheuses aussi à notre niveau, à nous, et par exemple dans la baie des Chaleurs. Le problème avec la baie des Chaleurs, c'est que c'est de la roche très, très friable. Les fameuses falaises rouges, là, ben ça va mal. Ça, c'est vraiment très friable. C'est pas résistant aux vagues. Puis, on le sait, là, dans le bout de Carleton, Maria, ils ont eu pas mal de misère dans les grandes marées. Ensuite, on a les côtes à falaises meubles. Donc, les gens vont voir un exemple à l'écran. Comme l'image le montre, c'est que c'est des falaises. C'est vraiment... C'est comme un paquet de terre ou de sable qui est pris ensemble. Donc, c'est très, très sensible au glissement de terrain. À la minute qu'il y a un peu trop de précipitation, des grosses pluies, ben ça s'effondre. C'est que c'est... Newport, c'est la Bolduc, là, c'est un peu comme ça. C'est ça. C'est... Les gens, par les images, vont se souvenir de certains endroits en particulier. Les côtes à terrasse de plage, ça, c'est du sable ou du gravier avec de la végétation. Le problème avec ça, c'est sûr que c'est plus rare que c'est submergé, mais c'est que c'est des endroits idéaux pour se construire parce que les gens aiment bien ça. T'as la plage, la végétation, la forêt, c'est bien beau, là. Mais le problème, c'est que c'est une zone quand même à risque. Puis il y a beaucoup d'habitations qui vont devoir être déplacées de ces espèces de plages-là à l'avenir. Ensuite, on a les côtes à flèche littorale. Le meilleur exemple, c'est Carleton. C'est super beau, là. C'est vraiment comme une dune de sable. Il y a Penouille aussi dans le parc Forillon. C'est très joli, mais c'est extrêmement risqué comme endroit. Puis c'est facilement submersible. Dans les grosses tempêtes, là, les gens de Carleton le savent, là. Ça prend pas grand-chose. Ensuite, on a les côtes à marée maritime. Ça, c'est par exemple le barachois de Malbaie. Donc, ça va être des barachois, par exemple, assez vaseux. C'est parmi les écosystèmes les plus fragiles et les plus protégés. C'est très sensible, même juste au piétinement. Donc ça, ces endroits-là, quand il y a des grosses tempêtes, là, c'est vraiment tout l'écosystème qui va beaucoup en souffrir. Donc, c'est les différentes zones. Puis, l'effet peut être aussi grand
que la Marthe, en 2000, il y a eu une espèce de tempête, des vents, des précipitations. Puis cette zone-là, il a goûté, c'est qu'il y a 1 km de 132 qui a carrément parti dans la mer. C'est quand on pense à la force de la mer, là, mais comme je disais, juste Percé, là, on mentionnait, là, si vous avez déjà été à Percé après une tempête là, qui a tout défait le quai, là, c'est du béton, là. Puis c'est quelque chose, la La mer, là. force des La éléments, force, c'est incroyable. oui. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des solutions. Comme je le disais, c'est de mieux identifier les secteurs à risque. C'est des municipalités de faire appel à des ingénieurs, à des gens spécialisés pour mieux gérer les endroits. Puis, il y a aussi au niveau des routes, dans certains cas, on n'a pas le choix de déplacer la route. Les gens vont voir une image, un exemple d'une route déplacée, mais c'est extrêmement dispendieux. Là, ça m'a surpris. De déplacer 1 km de 132, ça coûte en moyenne 1 million du kilomètre. Puis ça ne tient pas compte des frais pour l'expropriation s'il y a des habitations proches, les frais pour acquérir les différents terrains, plus les frais pour faire des études si ça va affecter l'environnement. Donc, on s'entend que déplacer une route, c'est vraiment le dernier recours quand on ne peut pas faire autre chose, là. Il y a d'autres solutions. C'est, par exemple, une solution qu'on voit de plus en plus, et les gens vont voir des images qui illustrent chaque solution. Il y a le mur de soutènement. Ça, c'est une espèce de muret qui peut être fait en bois, en métal ou en pierre, ou un enrochement. Un enrochement, on a beaucoup par ici. Par exemple, les quais vont faire ça. C'est des roches qui sont empilées les unes avec les autres selon une certaine symétrie, là. C'est pas fait à peu près. Le problème avec ça, c'est très coûteux. Par exemple, le coût d'un enrochement fait d'urgence, admettons là, que ça va mal, un enrochement d'urgence, ça coûte 100 000 $ pour 100 mètres. Incroyable. Donc, c'est toujours mieux de prévenir, puis de faire les études avant, puis de penser à la solution, disons, la moins coûteuse, puis qui va faire de moins de dommages, parce que le problème avec l'enrochement, puis le mur de soutènement, c'est que si vous construisez ça, c'est sûr que vous allez être protégé, mais le problème, c'est que la vague, elle va frapper votre mur, mais elle va continuer. L'énergie de la vague continue jusqu'aux extrémités, puis elle va frapper vos voisins. Donc, vous faites juste déplacer le problème, puis c'est vos voisins qui vont avoir plus d'érosion. Donc, quand vous voulez faire un ouvrage de protection comme ça, c'est important d'avertir la municipalité qui va vous dire comment le faire, si vous pouvez le faire, parce que si vous faites juste déplacer le problème à votre voisin, je veux dire, C'est pas solidaire comme il ne sera solution. pas content. Ça va avoir des problèmes. Puis le problème avec ces espèces de murs-là, c'est que ça fait baisser le niveau de la plage parce qu'à chaque fois que la vague frappe le mur, elle amène de la roche à la plage. Puis ça finit qu'il n'y a plus de plage en dessous. Puis parce qu'il n'y a plus de plage, bien, ça va inonder les rives. Il n'y en a pas de solution miracle. Ils ont chacune des points forts, des points faibles. Ensuite, on a les recharges de sable. C'est une peut-être des solutions les moins coûteuses et les plus simples. Ce qu'on fait, c'est qu'on engraisse la plage. On amène un paquet de sable puis de gravier. Puis ça, normalement, bien, ça va protéger votre terrain, votre habitation. C'est normalement une solution qui est mieux que la première parce que ça ne va pas déranger vos voisins. Ça ne va pas avoir d'effet sur eux. Le problème, c'est que ça demande beaucoup d'entretien. Donc, il faut toujours penser au pour et le contre. Mais par contre, on parle que la recharge de sable, ça va être probablement la solution d'avenir au Québec, Ah étant oui. donné le coût. Ouais, il va y avoir de plus en plus. J'imagine qu'il faut toujours en rajouter, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, il Parce que faut. veut pas, la nature fait son travail. C'est ça, il faut quand même toujours en rajouter, là. Donc, mais c'est quand même une des solutions, disons, les moins pires. Ensuite, on a la végétalisation. Ce que les gens font, c'est qu'ils vont planter des arbustes particuliers qui ont des racines très profondes. Ça peut être, par exemple, des rosiers, des framboisiers. Ce que ça va faire, c'est que les racines vont maintenir ensemble les sédiments. Donc, quand il y a des C'est bon. vagues, ben, ça ne va pas amener tous les sédiments au large. Ce Ouais. que ça va faire, c'est que ça va les retenir. Même principe sur le bord d'un lac aussi. Exactement. Le problème avec ça, c'est sûr que ça, c'est une des plus simples et les moins coûteuses, mais c'est une solution quand même sensible aux intempéries ou au piétinement. Puis la dernière solution, c'est l'épi. Ça ressemble un peu à l'enrochement, sauf qu'au lieu d'être parallèle à la côte, l'épi va être vraiment perpendiculaire, comme les gens voient à l'écran. Donc, on va prendre des roches qu'on va mettre perpendiculaires ou on va prendre des pieux qu'on va planter
avec un certain espace, donc l'eau va continuer de circuler, mais ça va quand même retenir le sable. Le problème avec ça, c'est que c'est, encore une fois, comme l'enrochement, c'est très coûteux, ça demande des études d'hydraulique, c'est une des raisons que c'est très coûteux, puis ça va affecter vos voisins. Donc, encore une fois, avant de vous embarquer dans une construction comme ça, il faut vraiment avertir la municipalité. Je pense qu'une façon sage d'agir, c'est de respecter les éléments et de comprendre que lorsqu'on veut se construire près de la mer, bien, il y a des limites à respecter. Puis, vaut mieux prévenir qu'à d'avoir à guérir la situation, parce qu'on rentre dans des frais là, qui n'ont carrément pas de bon sens. Bien, c'est sûr que c'est bien beau avoir un beau terrain sur le bord de la plage, puis on vend de plus en plus de ces terrains-là. Puis, mais il faut vraiment bien s'informer parce que les grandes marées qu'on a eues en décembre, ce n'est pas un phénomène isolé. Là. Il va en avoir d'autres. Ça va être de pire en pire. Donc, dans certains cas, c'est malheureux, mais il faut vraiment penser à déménager là, pour la sécurité. Puis, il ne faut pas être toujours dans les rénovations. Là. Donc, consulter des spécialistes pour être bien conseillé lorsqu'on a à se construire sur le bord des berges. Exactement. Donc, ça conclut pour cette semaine? Oui. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir.